Le sourire d'un entraîneur heureux, vainqueur du choc au sommet de cette 11e journée de Pro D2, le Loup réalise la bonne opération et consolide sa deuxième place au classement. Une victoire face à Narbonne, 20-8, obtenue grâce à 3 essais lyonnais. Nicolas Bontinck et James Bailey trouvent la faille et concrétisent la domination rouge et noire en première période. Narbonne, de son côté, réagit après la pause. Shevchenko est à la conclusion d'une belle percée. Un essai qui permet aux Narbonnais de revenir à 5 points. Mais c'est finalement le meilleur buteur du championnat qui met un point final à cette rencontre. Pierre-Yves Montagna aplati à 3 minutes de la fin. Après Tarbes la semaine passée, le Loup s'impose cette fois-ci face à un concurrent direct pour les demi-finales. Non, il va se battre à Viermey, il y a du monde maintenant, il y a de plus en plus de monde au stade. Voilà, c'est que les gens aiment ce qu'on fait, que les résultats commencent à suivre. Et voilà, on va s'accrocher jusqu'au bout comme ça. On s'était appliqué à travailler toute la semaine pour la victoire, elle est là. Bah voilà quoi, maintenant le travail continue et puis y a des matchs qui arrivent, il va pas falloir s'endormir et continuer. Pas le temps de s'endormir car le programme est chargé avec une série de 3 matchs face à de grosses cylindrées, un déplacement à Grenoble samedi, suivi des réceptions d'Aurillac et du leader Agen.